Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce mardi 1er novembre 2022. Comment allez-vous? J'espère que vous allez toutes et tous bien. Mets de la lumière dans ta vie, sois optimiste, lève-toi le matin et remercie pour la belle journée que tu vas passer. Aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé à l'envers la vieille femme. C'est l'ombre en soi, n'est-ce pas, la vieille femme? Eh bien, cette vieille femme, elle symbolise la nécessité de rencontrer son ombre. Pour certains d'entre vous, le temps est venu de puiser dans la force de votre ombre et de vous mettre en colère. Non pas une colère d'irritation, n'est-ce pas, ou de réactivité, mais une colère froide, provocante et déterminée. On ne vous demande pas de taper sur la table, n'est-ce pas? Dans votre entourage, quelqu'un a besoin qu'on lui dise qu'il se trompe complètement. Parce que si vous ne lui dites pas, n'est-ce pas, il va continuer à attendre. Il va continuer à attendre de vous que vous soyez doux et accommodant. Il se peut, eh bien, qu'on ait envie de vous faire sentir que vous êtes sans importance. On peut aussi vouloir vous faire croire que vous n'avez pas de but ou faire que vous vous mettiez en question et doutiez de vous. On peut aussi vouloir que vous fassiez les choses comme on vous dit. Peut-être que vous êtes sous l'emprise peut-être d'un manipulateur. On peut avoir aussi envie que vous restiez dans une jolie cage sombre et ennuyeuse qui vous convient parfaitement. On vous a peut-être mis dans une bulle dorée. Quelles qu'en soient les raisons, n'est-ce pas? On veut que vous restiez dans un état d'esprit fait de doutes et d'incertitudes, parce que cela donne aux autres davantage de pouvoir pour vous contrôler et vous enlever votre puissance. Eh bien, il est temps. Il est temps pour vous de dire non. Non, je ne veux plus vivre cela. Il est temps de prouver aux autres qu'ils ont tort en faisant exactement ce qu'ils disent que vous ne pouvez ou ne devriez pas faire. Ou bien ce qu'ils disent que vous êtes incapable de le faire. Il est temps. Il est temps de montrer votre acharnement. Il est temps de défendre qui vous êtes. Vous êtes un être humain. On ne peut pas vous mettre dans une bulle. On ne peut pas avoir un pouvoir sur une personne. On vous demande de ne pas avoir peur et n'abandonnez pas. Alors cette vieille femme à l'envers, eh bien, elle symbolise la nécessité de partir en guerre quand cela est nécessaire pour prouver votre valeur, non pas aux autres, mais à vous-même. Si vous êtes sous l'emprise de quelqu'un, cette carte, elle vient vous dire qu'il est grand temps de vous en séparer, de ne plus accepter ce qu'on vous fait vivre, ce que cette personne vous fait vivre. Allez,
pour celles et ceux que ça parlera, courage. Courage, parce qu'il faut beaucoup de courage pour sortir de cette thématique-là. C'est quelque chose de très lourd. Je termine par une carte message de ton âme, ça me bouleverse. Je vais vous dire que ça me bouleverse parce que ça me parle beaucoup. Cette carte me parle beaucoup, c'est ce que moi j'ai été avant. Donc, et c'est vrai que quand on vous met dans un cocon et qu'on vous met dans une bulle dorée, bien voilà, vous n'êtes pas conscient que vous rentrez dans une spirale, dans les griffes de quelqu'un, dans les pinces de quelqu'un. Et au fil des années, eh bien, à un certain moment, on se réveille. Et là, il faut avoir beaucoup, beaucoup de courage pour partir. Bon, message de ton âme, se séparer, vous voyez, c'est pas anodin. Regardez un peu la synchronicité de cette carte d'âme et de la carte que j'ai pigée dans le tarot des rêves de Gaïa. Se séparer, lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Waouh! Allez, si ça c'est pas de la synchronicité, alors je ne suis plus de ce monde. Hein. Allez, courage à toutes les personnes que ça parlera aujourd'hui. Je suis de tout cœur avec vous en tous les cas. Et on peut s'en sortir. Je vous assure, on peut s'en sortir. Vraiment. Même si c'est difficile, même si vous ne savez pas ce qu'il va avoir après, le plus important, c'est de vous sortir de ces griffes de cette personne. Ça, c'est le plus important. Faites-vous aider. Il y a des associations pour ça aussi. Donc, faites-vous aider. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, prenez soin de vous. Vraiment, prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent. Et puis moi, je vous embrasse tout fort. À demain.